Ce résumé vous est proposé par Nissan. Et Gazprom. Sponsor de l'UEFA Champions League. Il a bien résisté là, Supriya Bujalski. Supriya encore. Oh, c'est bien joué la Magyar. Il est magnifique ce but-là. Ils ont tout fait à deux. Bujalski, Supriya, Supriya, Bujalski. C'est 1-0. Après 9 minutes de jeu, ils se sont baladés dans cette défense gantoise. Mais c'est trop facile, beaucoup trop simple. Supriya qui peut se retourner, qui peut centrer. Et Bujalski qui est à la base et qui court tout simplement vers le point de pénalty dans le petit rectangle. C'est un scandale, Nga 2. Il est au contact, plus ou moins au contact au départ de l'action. Et puis il le laisse filer dans son dos et il revient en trottinant comme si de rien n'était. Ah, il y aura encore quelqu'un. Ah oui, oui, ah oui, encore Bujalski. Hein. Incroyable. En termes de vitesse. Ah ouais, non, mais il y a beaucoup plus d'énergie, Thomas. Il n'y a rien à faire. On est beaucoup plus réactif. On veut ce ballon. On est premier sur ce ballon. Chaparenko. Oh, le poteau. Et maintenant, c'est au-dessus. Elle était magnifique, cette frappe. Superbe exécution technique là de Chaparenko. Sur cette perte de balle de Poitry doit marquer. Ça doit être... Il fait marquer. Et non. Boukhari, la bonne sortie de Bouchan. Ah, et là, vous n'avez pas le droit de rater ça. Non. Non, non, parce que ce ballon et cette occasion, elle est offerte. Hein, ouais, littéralement. Son premier contrôle n'est pas bon, hein, Boukhari. Dorsch. Ouais, dans les airs. Finalement, ça va arriver chez Niangbo qui va essayer. Ça a été dévié de Poitre réclamer le ballon là juste à ses côtés. Kedira, Sidorchuk et Rodriguez. On a déjà vu plusieurs fois ce mouvement là. Le centre en un temps. Il était bon avec la main de Plastoun. Et pénalty pour le Dynamo. Ouais, à la base on est pris sur les côtés par la vitesse de Rodriguez. Des pénas face à Rouf. Ouais, magnifique, magnifique. 2-0, Kiev devrait donc voir les poules de la Ligue des Champions à l'inverse de la Gantoise. Il faudrait un miracle ici. En fait, il y a deux doublettes qui sont vraiment en difficulté depuis le début de la partie. C'est Nga 2, Plastoun et juste au-dessus Dorchebouzou. Ouais. C'est vraiment ce carré-là. Et finalement, quand ce carré-là passe à côté, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a un péno de nouveau. Bah oui. Bah oui, s'ils veulent continuer comme ça, ils peuvent encore en provoquer beaucoup. Hein. Et c'est 3-0, Rodriguez, la Gantoise, out, Dynamo Kiev in. On les retrouvera au tirage au sort de cette Ligue des Champions, effectivement. Kleindienst, contrôle frappe. Ouf. Ça a été touché, ça, par Bouchan. Dorsch, merci. Ouh, ce ballon, il va où, là, Plastoun? Ah, décidément. Ah, il n'y a rien qui tourne en faveur des Gantois. Hein. Dorsch. Allez, ça doit être dedans, ça. Ah, même pas. Encore Plastoun. Ah oui, Davai, Karavaev.
Allez, Boukhari, lui, il a montré des choses intéressantes. Belle qualité ici avec son accélération, sa vitesse, le centre était moyen, le ballon lui revient. Lexter et Niangbo qui insiste, ça va passer ça. Allez, ça va finir par rentrer quand même. Non, Clendins, c'était maintenant Nourio, Clendins. Oh là là. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.